7, le CVB avait remporté la première manche 25-22. C'était incliné finalement dans le deuxième set 25-21 alors que les Chaumontais menaient 17-11 dans le deuxième set. Ils n'étaient pas parvenus à remporter ce deuxième set qui finalement leur a fait très mal. Ils ont remporté la troisième manche, les Chaumontais 25-22. Les Canois ont remporté le quatrième set 25-21 au prix d'un Kevin Leroux très efficace et sur les engagements de Pierre Pujol très efficace aussi en fin de set et finalement les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, à savoir une cinquième manche au cours de laquelle les Chaumontais ont fait beaucoup de fautes et les Canois se sont eux de leur côté appliqués à jouer et c'est finalement les Azuréens qui s'imposent 3-7 à eux avec un tie-break perdu 15-12 par les Chaumontais. Voilà, la prochaine rencontre ici à la salle Jean Masson, ça sera un jour de semaine, dans 10 jours exactement, face à 7. Et pour le prochain match du CVB, ça sera à Montpellier, une équipe aussi qui tente d'accéder au play-off. Et côté de Cannes, ben, ça sera, comme je vous disais tout à l'heure, le match du cœur pour l'association dont Pierre Pujol est le parrain. Ça sera donc un match contre 7, un match sommet également. Merci, bonsoir à tous et à bientôt pour la prochaine rencontre ici à la salle Jean Masson.